se passe-t-il? Tais-toi, ou il va t'arriver des bricoles! Qui êtes-vous? Comme voulez-vous? Tais-toi, on t'a dit! Là, tu vas nous suivre gentiment, ok? T'as compris? Oui, j'ai compris, mais ne me faites pas de mal! Ça dépend de toi, mon petit bonhomme, hein? Bon, alors, ils sont où? Qui ça? Tu le sais très bien. On est bien renseignés, tu sais. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me dites. Un traître? Moi? Non mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par où? Non, je disais pas que vous étiez un traître, je disais un traître mot. Ne fais pas l'imbécile. Mais je fais pas l'imbécile. Je ne sais pas ce que je fais ici, je ne vous connais pas. Puis je vous reconnais pas le droit de m'interroger ainsi, non mais... On te demande où ils sont! Ah, taisez-vous! C'est mon morceau préféré. Peter et Sloan. Très connu dans les années 80. Mais vous pouvez pas connaître, vous êtes trop jeune. Mais tu vas la fermer, oui! On te demande de nous dire où ils sont! Mais en même temps, tu lui demandes de la fermer et de nous dire où ils sont. Y'a pas comme un problème, là! Flash spécial, nous venons de l'apprendre. Le Père Noël a été enlevé par un groupe de terroristes. Aucune rançon n'a pour le moment été demandée. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'évolution de la situation, mais pour l'heure, la soirée de Noël risque d'être compromise. Au fil peste soit plus tard, comment je vais faire le 24, moi? Bah tu nous dis où ils sont et on te libère, tu vois, c'est pas compliqué! Mais de quoi parlez-vous? Bah si c'est comme ça, moi je vais appeler la presse, hein, puis je vais leur dire que cette année, ce sera un Noël sans Père Noël, hein? Lucas, arrête! On n'est pas obligé d'en arriver là! Non mais il veut rien savoir, il veut rien dire! Je suis à bout, moi, là! Vous êtes pas très résistant, hein. Le premier incident, là, pouf, vous lâchez l'affaire. Ne chauffez pas trop les oreilles. Vous allez me le mettre en colère. En parlant de chauffer, vous pourriez m'apporter un thé, une couverture, j'ai un petit peu froid. Vous êtes gentil. Vous n'êtes pas comme lui, hein. Dites donc, mon petit, c'est quoi votre prénom? Agathe. Agathe, oh, c'est joli comme prénom. J'en ai tué une il y a très longtemps. Flash spécial, nous venons d'apprendre que des manifestations spontanées de millions d'enfants à travers le monde se sont déclenchées. Leur slogan, rendez-nous le Père Noël. Ils ne disent que cela. Oh, je viens de comprendre. Vous prenez pour le Père Noël, c'est ça? Ben oui, hein, c'est pas ridicule, hein! À la bouche, je t'explose la cervelle! Je peux pas être cet homme, je suis beaucoup trop jeune. Il va nous embobiner, je me sens mal! Vous l'avez rencontré? Vous lui avez parlé? Vous avez une photo? Oui, oui, on a une photo, hein! Tiens, regarde, hein. Alors, on nie toujours? Je ne suis pas cet homme. Ah, j'en peux plus, là! Tu fais ce que tu veux de moi, je veux plus en parler! Tu sais, Agathe, le Père Noël n'existe pas. C'est les parents qui achètent les jouets dans les supermarchés. C'est pas possible. Je laissais toujours un verre de lait sur le rebord de la fenêtre. Oui, et des gâteaux. Et des clémentines. Oui, des clémentines aussi. Mais je ne suis pas le Père Noël. Je suis qu'un vieil SDF. Kinodé, merci d'avoir regardé. On espère que vous kiffez. Passez une bonne année et un beau Kinodé. Hey, tu veux du Kino? Hey, je vais te donner du Kino. Hey, vas-y, c'est 20 euros. Bonne année.